parking, c'est une approche globale. D'abord, on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir des voitures si on n'a pas développé les transports collectifs comme il aurait dû être développé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des bus qui vont de nulle part à nulle part et vides. Si on veut que cette ville commerce, c'est un vieil adage, no parking, no business. Nous souhaitons créer 1000 places de parking dans le cœur de ville, 300 à la grotte Napoléon, 250 devant l'Isée Fèche, 250 à Place Abatouche et deux parkings de 130 places à Saint-Jean, ce qui va permettre un équilibrage. Ça veut dire qu'on ne va pas tous se présenter devant un parking de 1000 places, il y aura un entonnoir. Là, il y aura une répartition qui va permettre aux gens, enfin, de pouvoir aller commercer dans le cœur de ville. Dans 10 ans, les voitures seront hybrides ou électriques. Ça veut dire que la notion de pollution ne sera plus là. Mais on aura quand même besoin, pour les 50 ans à venir, d'avoir des parkings en ville, parce qu'il débarque 600 véhicules par jour dans le port d'Ajaccio et 100 places de parking pour les accueillir.